Coucou, bonjour tout le monde. Je vous fais un petit vlog pour vous montrer où j'en suis sur la maison. Bon, là, vous voyez la chambre, je suis toujours là pour l'instant, puisqu'on amène les meubles samedi. Voilà. Alors, pour ma pièce qui va me servir d'atelier, alors voilà. La plupart de mon matériel est arrivé, donc tout est dans des cartons, des sacs, des boîtes. Voilà. Alors, ce que je me suis fait quand même, voilà, je me suis décoré un petit peu la cheminée, voilà, avec mes arbres à roses que j'avais fait il y a un petit temps, mon petit tableau avec le cerf 3D. Et j'ai mis décoré avec des cadeaux des copines qu'elles m'avaient, qui ont été faits. Voilà, donc je vais en mettre encore plus haut, hein, puisque la cheminée, vous voyez, est quand même assez haut. Donc j'ai commencé à me décorer un petit peu la cheminée pour me faire un. Me donner un petit peu un coup de boost. Désolée, je suis essoufflée, mais là, je viens de monter encore des cartons. Voilà, et là, il faut que je gratte la peinture, vous voyez. Ça va être. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait contre-jour. Voilà. La peinture tombe. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Le bailleur nous a donné une réduction sur notre loyer pour qu'on puisse refaire les deux chambres. Une très bonne réduction. Donc ça va être fait au fur et à mesure. On va faire en priorité notre chambre. Là, on a, comme je vous avais montré l'autre jour, on a déjà la peinture et la tapisserie. Et ma pièce, on la fera donc après. Voilà. Et je vais vous montrer en bas. Voilà. Donc on va descendre. On va essayer de ne pas se casser la figure. Donc, il y a encore un peu de matériel ici, hein, ben justement, la tapisserie est toujours là pour la chambre. Voilà. Donc là, on a les cartons de choses qui vont en bas, donc avec des tableaux et tout. Ben, la cuisine, c'est encore le bordel. Hein. Tout va arriver donc samedi. Là, j'ai commencé à décorer un petit peu. Ça, c'est un miroir que j'ai trouvé à Action. Je trouvais pas mal en style industriel, que j'ai mis dans le couloir des sanitaires. J'ai déjà mis ma petite broderie sur la porte pour montrer que c'était WC. Et j'ai commencé à décorer mes toilettes aussi. Donc, bon, je mets l'horloge moi dans les toilettes. Voilà. Donc j'ai remis mes tableaux. Voilà. Et j'ai surtout changé l'abattant. J'ai changé tout de suite parce que je me suis aperçue que les ouvriers avaient été dans les toilettes alors qu'il n'y avait pas d'eau. Donc ils avaient été faire leur grosse commission dedans. Donc j'ai changé l'abattant tout de suite. On nous a changé la cabine de douche. Donc j'ai eu droit à une cabine de douche toute neuve. Donc ça c'est bon, là je ne l'ai pas encore lavé parce que les ouvriers ont été dedans. Par contre j'ai dû changer de machine à laver parce que la nôtre n'aurait pas pu rentrer. Donc bah, à l'occasion, si vous habitez par chez moi, je vends une machine à laver, une 60 cm qui est impeccable. Hein. Voilà, ça peut servir. Là, donc j'ai quand même des petites plantes qui sont commencées à arriver. Donc la cour, hein, je commence à mettre des rideaux. Et la pièce qui commence à prendre un petit coup de déco. Voilà, le salon. Donc mon fils ce matin est venu m'aider à mettre les barres, là, ce matin. Et on a mis les nouveaux rideaux. Bon, là, c'est à contre-jour, hein, vous voyez pas bien. Je vais même mettre plus près pour que vous voyez la couleur. Voilà. Donc les doubles rideaux, les rideaux. Donc j'ai mis des plantes devant.
Ça, c'est un tableau que je dois accrocher, mais là, j'ai plus de courage. J'accrocherai jeudi parce que demain, je ne viens pas. Donc, les plantes que j'ai commencé à mettre. Bon, là, elles ont pris un petit coup de grisou, mais bon, elles vont se remettre. Voilà. Et donc, on a mis un double rideau aussi à la porte. Donc, voilà où on en est pour l'instant. Donc, jeudi, je ramène encore. Oups, j'ai pas ramassé mes poussières. Je vais le faire avant de partir. Donc, jeudi, je vais ramener encore des cartons. Quelques petits meubles. Je vais essayer de ramener quelques petits meubles. Et vendredi, je vais voir parce que j'ai un rendez-vous au CHR de Lille. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au CHR de Lille. Allez, venir ici. Alors, je vais essayer de tourner pour que vous me voyez. Non, j'arrive pas. Je sais pas comment je fais pour. Non, je sais pas. Bon. Je sais pas. Je n'arrive pas à vous montrer ma tête. C'est rien, je suis avec mon téléphone. Donc, comme j'ai rendez-vous à 3h30 au CHR de Lille, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Donc, je sais pas. Bon, on verra bien. Et sinon, bah, samedi, là, c'est la grosse journée. Le camion. Je vais chercher moi-même le camion, enfin la camionnette Intermarché à 8h30 ou 9h, je ne sais plus, je vais vérifier. Et on embarque tous les meubles. Voilà. Et on ramène tout ça ici. Donc il y a mon fils et ma belle-fille qui vont nous aider. Puis voilà. Donc samedi on dort ici. Voilà. Et donc moi je vous ferai un vlog lundi pour vous montrer. Parce que bon, week-end ça va être crevant, hein. Je suis morte. Je pourrais pas. Et lundi je vous montrerai tout ça, où ça en est. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Là, je repars sur l'île. Je vais ramasser mon petit tas de poussière que j'ai laissé par terre et je remonte à l'île, enfin à Villeneuve-d'Ascq. Et je vais faire 2-3 cartons là-bas pour jeudi. Parce que demain, on a du boulot là-bas, on a des meubles à démonter et à jeter, on a des choses à jeter, tout ça. Donc voilà. Je vous fais à tous des énormes bisous, voilà. Et je vous retrouve donc jeudi pour la suite du déménagement. Et vous verrez donc lundi la suite. Alors, pour les cartes du concours, désolé, j'ai pas eu le temps. Ce que je ferai, je les prendrai avec moi jeudi. Et je vous ferai les ouvertures ici à la maison, jeudi. Et je vous montrerai ce que j'ai reçu. Désolée, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire avant vendredi. On fera ça jeudi. Et de toute façon, n'oubliez pas, hein, j'ai reculé le concours jusqu'au 15 juillet. Donc, vous avez le temps de faire vos cartes. Et maintenant, vous pouvez me les envoyer à la nouvelle adresse. Donc, pensez à m'envoyer un email pour avoir la nouvelle adresse et pour m'envoyer vos cartes. Voilà. Allez. Vous entendez mes bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. À bientôt.